Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc la Real Sociedad contre le FC Barcelone. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Éclairez-nous Darren, vous voyez qui comme homme du match? Sergio Busquets, c'est un peu le pivot de cette équipe. C'est lui qui équilibre attaque et défense. Il fait ce qu'on appelle le sale boulot. Mais qu'est-ce qu'il le fait proprement? Mais s'il est en forme aujourd'hui, en plus, il peut faire des étincelles. Et en cas de victoire aujourd'hui, il réaliserait vraiment un début de saison parfait. C'est dégagé loin. Oh, il l'a récupéré! Le FC Barcelone va frapper le corner. Allez, essayez d'être précis, touchez un coéquipier. Le centre dans la surface. Danger écarté. La passe est précise. Faut frapper là! Et non, ce sera un 6 mètres. Oh, c'était une jolie frappe! Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Jonatas. Il joue dans la profondeur. Ça joue long. Belle passe lobée sur l'aile. Attention, la frappe! Oh, ça se joue à rien! Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Et le 6 mètres directement sur lui. Ouverture lumineuse. Oh, il espérait ce ballon. Jonatas à la barre. Sergio Busquets. Iniesta. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Et nous voici bientôt à la mi-temps avec ce score nul et vierge. Ce sera une remise en jeu. Oh, très bon ballon. Le voilà servi. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Ça bouge, côté gauche. C'est bien ce qu'il fait côté gauche, mais ça manque de soutien. Il joue dans l'espace. Attention à ce centre. Voilà qui met un terme à cette première période. La défense a fait du super boulot. Ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. 0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Le gardien loin devant. Dans l'espace. Et la défense se donne de l'air. Oui, oui, il était hors jeu. Mats Hummels. Attention à la frappe. Oh, nouvel essai. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. La tête. Oh, il bute. Le but. Et voici peut-être le but dont ce match avait besoin.
très bon corner. Et évidemment, il en a profité. Qu'est-ce que c'est bien joué, ça. Comme quoi, pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. C'est reparti, ça fait 1-0. Alors que certains joueurs n'avaient pas fini de rentrer leur maillot dans le shop, et voilà, ça fait 1-0. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Pour trouver la faille dans la défense. Oui, il peut frapper là. Oh, c'est dommage, quelle occasion. Et quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Pénalité du gardien, c'est pas fini. Et le gardien est furieux, je crois que les défenseurs ont compris le message. Et si vous voulez mon avis, il n'a pas tort. Ils ont laissé trop d'espace et ils le savent en plus. Le ballon sort du terrain. Oh, Luis Suarez. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Le dégagement. Diego Reyes. Vela. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Dans le dos de la défense. Il n'a pas hésité, c'est propre. Vela. Le long dégagement du gardien. Encore une bonne intervention. La passe dans la profondeur. Jean Pereira. Et le raid côté droit, il a du soutien. Allez, il faut aller chercher les résultats, c'est bientôt fini. Il faut vraiment se réveiller. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, le manque de précision dans le dernier geste. Une poignée de secondes, voilà ce qui les sépare de cette victoire. Il tente de la jouer dans l'espace. Luis Suarez. Quelle solidité, bien joué. Guarín. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Il choisit de centrer. Et défensivement, c'est parfait. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur.